Salam Outsiders, pour la famille, j'espère que vous êtes chaud. Un petit débrief, c'est la semaine de la finale de la Ligue des Champions. Les choses vont aller vite, les choses sont super sympas. On approche de la Coupe du Monde, sincèrement, l'enjaillement commence à être même, tu sens les frétillements, les listes des 23, ceux qui sont fâchés, ceux qui sont pas fâchés. En tout cas, ça va être chaud, le débrief il commence maintenant. La liste des 23 du Sénégal, les gars, faut qu'on soit sérieux. Sincèrement, on est la seule équipe qui va à la Coupe du Monde en toute honnêteté avec 6 défenseurs et puis tout le reste c'est des attaquants. Hein. Tu comprends pas, nous on a des listes, en fait, tu comprends pas. C'est 6 des 6 défenseurs, 17 attaquants que tout le monde met à l'abordage. En fait, les Sénégalais ils sont en mode à l'abordage. Honnêtement, moi je me dis deux choses. La première, c'est qu'on approche de la compétition, donc derrière, soyons tous derrière les Lions, tu vois. Sincèrement, si tu es Sénégalais, soyons derrière les Lions et espérons que les mecs fassent une bonne compétition. Hein. Deuxièmement, espérons que les mecs arrivent en bonne santé. Qu'il n'y ait pas de blessés, que Sadio Mané ne se blesse pas cette semaine en finale de Ligue des Champions, etc. Que tout le monde arrive en bonne santé, que Keita Balde soit en forme, que Mbeignan soit en forme et tout, que tout le monde soit en forme. Deux, troisième et dernière chose, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux, on n'a qu'à jouer sur nos forces. Parce qu'aujourd'hui, nous, le Sénégal, on peut jouer que sur nos forces. Si on va là-bas pour essayer de faire du tiki-taka, du lakala, on va se faire tuer. On va se faire tuer, mec. Ils vont nous tuer. Tu vois, il faut qu'on joue sur nos forces. C'est quoi? C'est-à-dire bloc défensif bas, on gère, on balance des ballons sur les ailes, on a des fusées, sincèrement. Et c'est ça, quand tu vois la liste des 23, tu comprends déjà qu'Alipsi, c'est en fait, c'est 3-5-2, c'est 3-4-3 là qu'il faisait durant les matchs amicaux, là il ne le fera pas en Coupe du Monde, sincèrement. Parce que je ne vois pas dans quel monde est-ce que tu vas faire des 3-5-2, des 3 des je sais pas quoi avec ces joueurs-là. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est jouer bas, défendre et puis balancer. Et puis aujourd'hui, sincèrement, avec Pape Alundia qui a fait une super saison, pendant les gars, il a fait une super saison avec Stoke, même si Stoke descend en D2, il a été énorme. Ganagé, tu le mets à côté, les deux, ils gèrent. Kalidou, Kara, ça va, ça gère. Il n'y a que ça, lui aussi, je comprends pas. Il y a des gars sur la liste, sincèrement, tu comprends pas. Qui les a invités? Qui les a forcés à venir? On sait pas, ils sont là, ils sont quand même là. Tu vois, il y a des mecs qui sont là, on sait pas pourquoi ils sont là. Aujourd'hui, Moussa Sow, je me pose des questions. Oui, il marque des buts à Bursaspor ou je sais pas quoi en Turquie de temps en temps, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Moussa Sow nous sert à quelque chose aujourd'hui? Il sert à quoi? Moussa Sow en équipe nationale, on l'a vu, on l'a toujours attendu, on a jamais rien vu de lui. Aujourd'hui, il y a des mecs, je me pose des questions. Mais il a fait ses choix, c'est des choix forts, c'est des choix importants. Les boys qui sont là-bas sont tenus de défendre les couleurs nationales, je dis bien, ils sont tenus. Ils sont tenus de défendre les couleurs nationales. Jom et Faïda, on donne tout ce qu'on a. On se bat, tu vois. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal peut s'en sortir. On peut au moins sortir du groupe. Mais ne sous-estimons pas nos adversaires, s'il vous plaît. Quoi. S'il vous plaît, pas de sous-estimation des Colombiens, pas de sous-estimation des Polonais, ni de sous-estimation des Japonais. Je vous connais, les gars ont déjà vu. Ouais, Vaïd a été viré. Ils ont dit non, on va taper le Japon. Vous allez taper qui? On va taper personne. Soyons calmes, soyons posés, en toute honnêteté. On veut tous taper tout le monde. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite du fond de notre cœur. Je veux voir mon équipe gagner. Mais je veux aussi qu'on y arrive avec humilité. Et moi, je pense qu'en toute honnêteté, on a un coach qui comprend cela. Parce que quand je vois ces 23-là, je me dis que lui, il va en Coupe du Monde, mais pour aller jouer bas, jouer en contre, aller vite sur les ailes avec des flèches comme Keita Balde, comme Mbeignan, comme Sadio Mané, comme Ismaël Sarr. On va essayer de gérer ça comme ça et puis voilà, c'est tranquille, c'est ça, c'est le Sénégal et puis espérons que ce soit le Sénégal qui gagne. Ce week-end, c'était le dernier match de Iniesta. Écoutez, bon, sincèrement, c'était un bon moment, honnêtement, c'était un très bon moment. Je pense que tu sois fan du Barça ou pas, si tu as vu les images, si tu as vu l'avant-match, si tu as vu la fête d'après-match, si tu as vu les photos d'Iniesta après sur le terrain jusqu'à 1h du matin, etc., tu as eu la chair de poule à un moment donné, tu t'es dit non, quand même, ce gars-là, c'est un grand joueur, sincèrement. Faut qu'on soit sérieux, moi, en tout honnêteté, et là je vais créer une polémique dès le départ du débrief là, sans aucune peur. Faut qu'on soit honnête, au Barça ils savent comment gérer leur star, et ça c'est important dans les grands clubs, que ce soit le Barça, Manchester United, le Real Madrid, etc. C'est des clubs qui doivent apprendre à comment gérer la fin d'une de leurs stars. Quand je dis star, c'est quelqu'un qui a tout donné dans un club, c'est quelqu'un qui a donné plus que tout en fait, et ça c'est Andrés Iniesta. Aujourd'hui, quand je vois la fin qu'a eu Andrés Iniesta, la fête, etc., je me dis que quand même d'un côté Iker Casillas aurait mérité ça au Real Madrid, d'un côté Raúl aurait mérité ça au Real Madrid, mais ça ne s'est pas passé. Bon, écoutez, les fans madrilènes, les gars, sincèrement, ne vous fâchez pas, je vais juste faire une constatation simple, nette et précise. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Dans le même match, en fait, où tu vois que le Barça a gagné 1-0 sur un super but de Coutinho, en passant Coutinho, il faut lui laisser enrouler les ballons. Ce petit-là, il sait faire que ça, quand même. Il est très fort. Mais Coutinho enrouler un ballon, il a une facilité telle à le faire. Faut qu'on soit honnête, t'as l'impression que c'est facile, mais faut qu'on soit sérieux. C'est pas du tout facile ce que Coutinho fait. Donc, très beau but de Coutinho. Mais derrière, il y a un mec là, un joueur de la société, mais il a failli tuer Dembélé. Mais c'est quoi son problème à lui? Moi, je comprends pas, les gars, ces derniers matchs. Il n'y a aucun enjeu. Toi, tu joues pas le maintien. Toi, tu es déjà champion. Mais gère-toi. Pourquoi tu te lances de je sais pas quoi pour aller faire un tacle dans la cheville du... Il a failli tuer Dembélé. Dembélé a une entorse de la cheville à 3 semaines du début du mondial. Je pense que ça va aller. Mais derrière, moi, il y a certains joueurs. Derrière, sincèrement, je me dis, est-ce qu'ils réfléchissent?
Cinquième soulier d'or européen pour Lionel Messi, c'est une première, c'était le premier aussi à avoir 5 ballons d'or. En fait, Messi, lui, c'est bon, c'est le premier à tout, c'est lui, bon, il s'amuse à, voilà, Messi, c'est trop facile. J'ai regardé statistiquement, Messi est non seulement Pichichi, soulier d'or, mais en plus de ça, il est le meilleur passeur du championnat. Mais attendez, Messi a fait une très bonne saison, Messi a fait une excellente saison. Maintenant, il n'y a que les Argentins qui s'attendent à ce que Messi fasse la même chose qu'il a fait cette année avec le Barça, qu'il le fasse avec l'Argentine et qu'il leur donne une Coupe du Monde, ou du moins, au moins qu'il les fasse encore rêver, qu'ils aillent au moins jusqu'en finale. En tout cas, une chose est certaine, Lionel Messi a du pain sur la planche parce que là, tout l'Argentine a les yeux braqués sur lui. Parlons d'Argentine, ça permet de faire une transition rapidement. On va parler de Mauro Icardi. Honnêtement, c'est quand même dommage. Icardi, le mec qui te plante 29 buts cette saison, si je ne me trompe pas. Le mec qui fait sa meilleure saison à vie. Jamais il a fait une saison comme ça dans sa vie. Icardi te marque le dernier but là, face à la Lazio pour t'offrir la Ligue des Champions. En fait, Icardi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait cette saison? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Malheureusement, c'est des problèmes extra-sportifs qui vont l'empêcher d'aller en équipe nationale. Et là encore, ce n'est pas des problèmes extra-sportifs style Benzema, Valbuena. Non, ce n'est pas le même délire. Pas du tout. C'est juste que, en fait, Icardi, il est marié avec l'ex-femme d'un pote à Messi, Maxi Lopez. Et donc derrière, ça crée tout un problème en fait dans cette sélection-là. Et derrière, ils ne l'appellent pas. C'est quand même dommage parce qu'ils ont besoin d'Icardi. Cette année, sincèrement, je ne comprends pas. Si tu es argentin, tu connais l'Argentine, tu regardes le football depuis quoi? Depuis, je ne sais pas moi, depuis les années où Higuaín est en équipe nationale, c'est-à-dire 2010. Tu regardes 2014, tu regardes les Coupes du Monde passées, tu te dis, mais Gonzalo Higuaín en équipe nationale, c'est pas le même pipita que à la Juventus. Donc aujourd'hui, je me dis, Sampaoli, pourquoi tu te prives d'Icardi? Icardi, vous pouvez le gérer. Icardi, quand même, je pense qu'il peut se gérer, non, pendant 30 jours. Qui peut pas se gérer pendant 30 jours? 30 jours, tu te gères, tu te tais, tu joues, tu plantes des buts. Là, ils vont aller sans Icardi, il va falloir jouer avec Dybala. J'espère que Dybala, il va jouer parce que lui, il est capable, quand même, Sampaoli, de nous sortir encore ces mecs de Boca qui nous a foutu dans sa liste. En tout cas, une chose est certaine, comme je dis encore une fois, tous les yeux de l'Argentine sont rivés sur Lionel Messi. Gigi Buffon a pris sa retraite, dernier match il a joué le week-end passé. Bon, aujourd'hui Buffon c'est fini, c'est terminé, la page se tourne. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est de savoir Buffon il va aller où à 40 ans, parce que moi je comprends pas les rumeurs que j'entends là. Sincèrement, les gars, expliquez-moi, aidez-moi un peu. Quand je me dis que le mec, attends, Buffon il a pas 33 ans, c'est pas comme s'il a 33 ans, il dit ouais je m'en vais, je sais pas, genre quand Thierry Henry quitte Arsenal, ou quand, je sais pas, même Iniesta là il quitte le Barça, on se dit le mec on sait qu'il va en Chine, il va aller voilà, se remplir les poches tranquille, etc. Tu vois, il l'a mérité, il y a pas de souci. Mais Buffon à 40 ans, pourquoi on parle de rumeurs au PSG? En fait, moi, je comprends pas des fois la logique dans le PSG plan, en fait. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent, en fait, le PSG? C'est quoi leur délire? Les mecs, aujourd'hui, ils sont prêts à laisser partir Alphonse Areola pour aller te chercher Buffon. C'est quoi le plan? Sincèrement, expliquez-nous, ça changera rien. Buffon ou pas Buffon, vous allez face au Real Madrid l'année prochaine, Cristiano Ronaldo, il plantera les mêmes buts, hein, les gars. Faut qu'on soit sérieux. Donc, aujourd'hui, sincèrement, Buffon, encore une fois, une légende, un très grand joueur. Sincèrement, tout ce qu'il a fait, il l'a fait dans sa carrière. Tout ce qu'il a, la seule chose qu'il peut regretter de n'avoir jamais gagné, c'est la Ligue des Champions. C'est dommage, il a fait plusieurs finales. 3, il les a toutes perdues, c'est la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, une chose est certaine, tout comme Andrea Pirlo qui a fait son jubilé hier, les deux resteront toujours des grandes légendes. Parlons de Paris, Thomas Tuchel, il est arrivé. Bon, Tuchel, écoute, sincèrement, bonne chance. Moi, je pense que Tuchel, c'est un coach assez intéressant, intelligent et très très pertinent. Et moi, je me dis aujourd'hui, parce que Tuchel, il a la fibre Jurgen Klopp, tu vois, c'est le même genre de gars, tu vois, il était à Mayence, etc. Donc voilà, c'est le même mec, il a fait le même parcours. Aujourd'hui, je pense que Tuchel, si Nasser, on laisse travailler, Tuchel peut faire du sale. Mais il faudrait pas que Nasser soit là en train de vouloir imposer des joueurs, que les gars veuillent dire, ouais, moi, je veux telle nouvelle star ou telle nouvelle star, etc. Tuchel, laisse-le travailler, laisse-le faire son effectif, laisse-le faire travailler les petits. Apparemment, il a parlé à Neymar, ça s'est bien passé. Moi, j'ai qu'une seule chose, c'est j'ai hâte au trophée des champions pour voir le PSG version Tuchel au mois d'août, voir de quoi ça va avoir l'air, voir de quoi avoir l'air ce nouveau PSG là. Parce qu'on le veuille ou non, il y a quand même changement entre Emery et puis Tuchel, changement dans le style, changement dans la culture et même changement tactiquement aussi dans la manière à laquelle ils vont approcher les matchs. Sincèrement, ça va être intéressant. Emery, j'en parle comme ça permet de transitionner vite fait. Il paraît qu'il va à Arsenal. Bon, les gars, faut qu'on soit sérieux. Emery à Arsenal, bon, moi j'ai regardé. Je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est pas bête, sincèrement. Emery, c'est pas un mauvais coach. C'est pas parce qu'il a floppé au PSG que ça veut dire que c'est un mauvais coach. En plus, il a pas vraiment floppé. Là, il y a le championnat. Oui, il a perdu face à Monaco. Mais cette année-là, quand même, Monaco avait Mbappé, etc. Ils étaient extraordinaires. Monaco, ça arrive d'avoir des fulgurances comme ça. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, mais Emery en tant que tel venir à Arsenal, ce serait pas mauvais. Tant qu'on le laisse travailler, encore une fois, il faut laisser au coach le temps de travailler. Arsenal, je pense qu'on te laisse le temps de travailler. Si on a laissé Wenger pendant les 10 dernières années, on l'a pas viré. Je pense qu'Emery, on va pas le virer après un an. Donc aujourd'hui, Emery, oui, pourquoi pas? Roberto Mancini est sélectionneur de l'Italie. Il a appelé Mario Balotelli. Sincèrement, tant que Balotelli nous met des frappes de 30 mètres là comme il l'a fait face à l'Allemagne en 2012, moi je suis content. Bon, vous êtes nombreux là à dire que vous voulez Sergi Roberto dans la liste des 23 espagnols. Bon, on va être honnête, moi j'ai pas là à commenter toute la liste des 23 espagnols, mais Sergi Roberto il va faire quoi? Honnêtement, moi si tu me dis que Marcos Alonso n'a pas été amené et qu'on a appelé Nacho Monreal, je suis d'accord. Je dis, moi je comprends même pas c'est quoi le délire du gars. Tu regardes pas les matchs d'Arsenal, toi, tu regardes pas les matchs de Chelsea, le mec est le meilleur latéral du championnat, tu l'amènes pas. Marcos Alonso, il y a de quoi se plaindre. Mais Sergi Roberto, il joue à un poste où en équipe nationale, il y a des gars qui sont là-bas. Il y a des Azpilicueta, il y a des Carvajal, il y a des
des gars qui sont là en fait. Donc c'est compliqué pour Sergio Roberto d'aller chercher une place là-bas. Au milieu de terrain, si tu veux le mettre là-bas, c'est compliqué aussi. Tu as des Saúl Leyes, tu as des Koke, tu as beaucoup trop de joueurs pertinents en fait. Même Fabregas c'est pas parti. Donc c'est pour montrer à quel point aujourd'hui il faut qu'on soit sérieux. Moi je pense que Sergio Roberto, c'est dommage. Mais le fait qu'il soit un joueur qui bouge trou, en fait, il joue beaucoup au Barça, mais il fait que boucher des trous. Soit il bouche le trou de Semedo, soit il bouche au milieu de terrain, bah, ça pose problème. Parce qu'à la fin, tu te rends compte qu'en équipe nationale, on ne sait pas où le faire jouer, alors qu'il y a des mecs en club qui jouent là-bas pertinemment. Mais Marcos Alonso, ça par contre, je ne suis pas d'accord. Morata, derrière, d'un côté, il faut qu'on soit sérieux, c'est son problème. Parce que Morata, honnêtement, je dis encore une fois, comment est-ce que Florentino, je dis, comment il a fait pour vendre Morata 70 millions, 75 millions? Comment il a fait? Comment? Dites-moi, expliquez-moi, sincèrement, je ne comprends pas. Parce que Morata, je me dis, écoute, aujourd'hui, tous ceux qui sont en sélection là, mais c'est les petits qui étaient derrière Morata, c'est les petits qu'on ne connaissait pas. Morata, ça fait 3 ans qu'on le connaît quand même presque sur l'échiquier mondial. Les petits qu'on ne connaissait pas. On ne connaissait pas Vasquez, on ne connaissait pas Asensio, on ne connaissait pas Nacho Fernandez. Et eux tous, ils y vont en Coupe du Monde. Aujourd'hui, Morata qui avait ce rôle de backup sub, je te dis, mais j'ai même vu un commentaire, il y a un mec qui a dit que si Mariano était resté, il serait parti en Coupe du Monde. Je dis, ouais, peut-être, je ne sais pas, mais Mariano en passant, c'est pas un espagnol, tu vois, je ne me trompe pas, c'est un dominicain. Mais quand je regarde ça, je te dis que, en toute honnêteté, il y a un problème, c'est que Morata est peut-être parti trop tôt. Morata est parti avec des ambitions que on pensait qu'il pouvait tenir ce rôle d'attaquant leader dans une équipe de première ligue à la Diego Costa, mais non, Costa est venu, il a joué 6 mois, Costa ne s'est pas entraîné, il était gros, il était au Brésil, il est revenu, il a fait un peu de sport, il a joué 6 mois, il est en Coupe du Monde, il sera sûrement titulaire. Donc à un moment donné, Morata, c'est dommage, c'est lui qui perd, parce que cette saison-ci, en toute honnêteté, Morata aurait pu aller en Coupe du Monde s'il était resté au Real Madrid. Mais il a décidé de partir à Chelsea, il a fait une bonne première partie de saison, genre les 10 premiers matchs, mais après on l'a plus. Dans la catégorie, tu vas pas en Coupe du Monde, Raja Nainggolan, c'est dommage parce qu'il fait une super saison avec la Roma quand même. Nainggolan, il a été important dans le dispositif et tout, mais aujourd'hui, ça revient encore au même problème. C'est-à-dire que ce soit en France ou en Belgique, ils ont ce problème-là avec certains gros caractères. Nainggolan, on sait, Nainggolan, c'est un fumeur, c'est un fou, c'est un malade, il a pas de soucis, mec. Lui, en fait, il s'en fout de la vie, tu vois. Nainggolan, c'est un bon viveur. Mais aujourd'hui, Nainggolan, être un bon viveur, est-ce que ça entache quelque chose dans ses qualités sur le terrain? Je ne pense pas, parce que quand on voit la saison qu'il fait avec la Roma, il y a des mecs qui fument pas, il y a des mecs qui font absolument rien, et derrière, ils font pas trois quarts de cela, slash André Gomez. Aujourd'hui, quand tu vois Nainggolan, en fait, je me dis, mais Nainggolan, continue à boire, continue à t'attendre, fais ce que tu as envie de faire. Tant que tu manges comme ça sur le terrain, moi, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui, en Belgique, ils avaient besoin de Nainggolan. Je pense qu'il aurait pu utiliser Nainggolan. Dire qu'il ne le prend pas parce que c'est d'un point de vue tactique et que Nainggolan ne fit pas tactiquement dans l'équipe et qu'il ne peut pas rentrer tactiquement dans les plans de l'équipe, c'est faux. Nainggolan, dans quelle équipe il peut pas rentrer tactiquement? Nainggolan a le même rôle qu'un, je sais pas, mec, c'est un box-to-box, le gars. Tu le fais jouer milieu défensif central devant la défense, il va gérer. C'est comme un Vidal, Nainggolan, c'est comme un Vidal. Tactiquement, n'importe où tu le mets sur le terrain, il s'en sort. Donc aujourd'hui, c'est quand même dommage. C'est dommage pour lui, sa deuxième Coupe du Monde qu'il rate, il en fera pas dans sa carrière. C'est dommage parce que c'est un joueur qui, en toute honnêteté, moi, personnellement, j'apprécie bien. Bafétimbi Mbikomis aurait pu faire partie de la liste de Didier Deschamps, c'est dommage, il plante 29 buts cette saison. En fait, je te dis que quand même le mec, il a planté énormément de buts, il a été énorme avec Galatasaray, il est champion de Turquie, après ça faisait 2 saisons d'affilée. L'année passée à Marseille, il était chaud, je pense qu'il avait planté 19-20 buts, cette année il en plante 29, donc Bafétimbi Mbikomis prend de l'ampleur. Il n'est pas là, et finalement, Ben Yedder n'est pas là non plus, finalement c'est Olivier Giroud. En fait, voilà, c'était prévisible, c'était évident, etc. Donc ça, sur ce point, il n'y a absolument rien à dire. D'un autre côté, Kurzawa n'est pas là non plus, et c'est normal, il a été nul toute la saison, très très nul, donc le petit pavard vient prendre sa place. Benjamin Mendy, quand tu regardes ça, je te dis que c'est quand même assez intéressant parce que Benjamin Mendy a été blessé toute la saison, mais il est quand même dans la liste des 23. Benjamin Mendy, mon frère, sincèrement, on sait que tu es sénégalais, non? Mon frère, tu es un bon marabout, honnêtement, faut qu'on soit sérieux. Mais bonne chance à Benjamin Mendy parce que moi, c'est un boy que j'aime bien. Et d'un autre côté aussi, tu te rends compte que finalement, Koscielny blessé, c'est pas Laporte qui a appelé. Le pauvre Laporte, il attend juste depuis des années, il attend que la France l'appelle. La France ne l'appellera pas. Non, c'est Adil Rami qui va y aller en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, tu vois, cette équipe de France, elle est assez intéressante. Moi je me dis en toute honnêteté, c'est pas une mauvaise équipe. Individuellement, ils sont trop forts. Ils sont très forts, ils sont très très forts, très forts individuellement. Griezmann, Mbappé, Pogba, etc. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir collectivement comment ils vont s'en sortir. On se capte ce week-end pour la finale de la Ligue des Champions, ça va être chaud les gars, sincèrement, soyez sérieux quoi, la famille, soyez sérieux, ça va être très très chaud la finale de la Ligue des Champions. Au-delà de ça, de se capter ce week-end pour la finale de la Ligue des Champions, on se capte demain pour un live Facebook, non, c'est quoi demain, non, pas demain, jeudi pour un live Facebook, on se pose tranquille, on fait une vidéo, tranquille, live Facebook, venez, jeudi, attendez, parce que là c'est période de Ramadan, donc jeudi à 21h, tu vois, jeudi à 21h, GMT, on se pose tranquille, on fait un live Facebook, on discute football, on discute Real Madrid, Liverpool, on fait notre avant-match. Dans tous les cas, comme je dis toujours, 2018, c'est notre année. Tous outsiders, on continue à liker, on continue à partager.